Mwen nan ou kap e mwen chita avèk yon moun asè important ke nou pral konn ki eske liye talè. E lte important ke nou te fè interview sa otou de yon bol soup jumo. Pou ki sa, paske mwen chita avèk Dominique Dupuis, ki li mèm se reprezentan Haïti nan UNESCO. UNESCO nou konnen ki se organizasyon Nations Unies pou edukasyon, siyans avèk kultur. Dominique goumen an pil pou peyi an, ou a plizye diskoul ki ale viral, men yon nan petèt go realizasyon ke l genye depi lèl nan pos sa, se pèmèt ke Haïti, an Desanm 2021, genye soup jumo ki antre nan lis patrimoine imateryel de l'umanite. Dominique, bol nou vide, men mwen pral pou ti soup, komo ye? Bonjour Karel, mwen kontan avè ou maten. Mwen kontan avè ou goutou. Mwen kontan pataje premye bol soup sa ansam. Justement, pou ki sa lte important pou soup la, paske mwen konen jan ko goumen, mwen pral pale de sa talè. Men anvan ke nou rive nan soup la, nan e travay ko a fè nan UNESCO, pale nou ti kras de ou ki eske Dominique? Se moun Okap, e maman se moun Okap tou, papa se moun Plaisance ki grandi Okap. Donk nou la kay mwen, je di ya. E m grandi nan vil sa fasonem e pwi tre jen te implike nan tout kesyon ki komunoter, tout sa ki toujou an rapor avek sektor turistik, sektor kulturel e sa m vin apren ki fe petèt ke an parti m vin moun kemiye jodi a nan UNESCO e kap reprezente Haiti, se ke pa gen devlopman posib san tout moun pa implike. E nan tout sa m tap fe nan vil Okap, m te toujou ma konnen tout inisiativ mwen avèk kominote yo e men nan la men avèk tout moun ki implike avèk sektèr ke nap eseye avanse yo. Donk lè va pale de kesyon tourist paske fò nou panse a sektèr yo, m evolye nan sektèr touristik, hotelier, restoran. An Haiti nou pa ka pale de kesyon tourist, sa nou pa pale de kesyon kominote yo la paske nou pa nan tourist de mas, nou nan tourist kulturel e de pou pale de kultur, pale de identite. Donk m panse ke tout formasyon te menem a investi pou m eseye konprann ki sa ki nan identite nou, ki sa tou ki fè nou sanble yon ak lòt e ki sa ki uni nou kom pèp pou nou ka avanse ansanm nan tout inisiatif devlopman ke nou ka menen nan peyi a. Se sa m ka di. Tout se teori ki esko ye. Oui. Tout a fè. Oui. Men kon ya, koman e orive nan reprezentasyon UNESCO? Alors, m nome an juye 2020, m pran fonksyon UNESCO le 3 novembre 2020, men kom se le ka nan la diplomasi, toujou gon dele entre prise de fonksyon e prezentasyon de lettre de kreyansye. E Haiti konem kom ambasadeur depi novembre 2020, men UNESCO konem kom ambasadeur depi janvye 2021. E donk gampi l'aksyon ke m de ka seulement komanse lanse en janvye 2021, et première action, premier chantier depuis mon avion atterri Paris, premier chantier que m'te connais, que m'te pral lancer, c'était inscription premier patrimoine culturel immatériel Haïti dans registre ça. Parce que pour moi-même et depuis nomination, songer et réflexion ont commencé pour nous connaître qui ça nous ca réparer dans absence Haïti, dans absence voix Haïti au niveau international, mais surtout particulièrement à l'UNESCO. Et le 3 novembre, pral fêter 3 ans de fonction. Et grand pile accomplissement, m conscient de ça, même surtout conscient de et toute réparation que m ka di de vide et de absence Haïti te gagne dans UNESCO. Journée aujourd'hui Haïti on voit fort dans UNESCO, mais surtout haïtien vinn conscient tout de UNESCO comme levier dans pile débat k'ap fait. Moi sur réseaux sociaux depuis gon sujet k'ap discuter moun yo di et UNESCO qui ça ordi dans ça. Alors que sou gade au fond on recherche sur internet il y a 4 ans, il était invisibilisé et nous-mêmes tout nous était invisibilisé et UNESCO. Donc m'estimer que en 3 ans nous réparer tort ça parce que on pays tant qu'Haïti pour ça nous porter dans l'histoire de l'humanité, pour ça nous gain pour nous dire jodi à tout. Moi même pas jamais fait intervention seulement basée sur passé pays. On considérer que journée jodi à nous gon identité unique, nous à un carrefour de civilisation, un carrefour de défi et de potentiel l'humanité gagne journée aujourd'hui côté que voix nous doit tendre dans toute arène internationale et donc toujours apaiser conjuguer et valeur histoire nous avec valeur présent nous pour nous capable développer un plus bon futur et c'est ça me fait depuis me rivé hein ou mandé pour qui ça soupe là parce que et Karel qui aime tout servir ah oui non c'est moi qui serve m'observe souvle au cas servir tout mais c'est moi-même qui gain honneur ça pour me servir. Merci. Je pense que malheureusement alors gain monde qui très puriste dans gens soupe la préparer,
Mais nous-mêmes, c'est comme ça nous mangeons le voyage ici. Là. On va parler de ça, tout. Oui. Ça a son beau débat. Un gros débat. Ça suffit qu'on dit que ça va vous même. Merci. Merci beaucoup. Uh-huh. Le Mouivé UNESCO et que vous avez un registre, ça. Moi, décrit un gros livre, ça, à côté que une organisation onusienne qui prend note de qui ça qui est important dans l'humanité, qui ça qui représente le peuple, monde là. Et puis, vous avez un pays comme Haïti, premier. République noire et de l'histoire de l'humanité, premier peuple qui autoproclamé tête libre pour sortir sous joug et esclavage, et premier peuple qui vraiment marqué l'histoire pour dire c'est fini colonisation, c'est fini racisme, c'est fini esclavage, et puis peuple ça pas représenté dans gros livre ça. Ouais. Ou chercher li ou pas joindre. Ça veut dire que c'est pas Haïti qui pas représenté. C'est tout symbole lutte ça qui pas représenté. Donc nous rentrons dans Deslanta parce que registre ça lui-même est convention créée en 2003 mais registre là effectif en 2006. Haïti ratifié en 2009 et de 2009 à 2021 nous pas gagne rien. Gagne des pays qui gagne 16 20 bagages inscrits, nous même nous pas gagne. Donc nous rentrons ta mais faut nous rentrer fort. Et pas rien plus fort que sous plat. Oui. Pas rien plus fort que sous plat à plusieurs niveaux s'il vous plaît comme m'a parlé au même moment. À plusieurs niveaux. Premier niveau a nous non pays qui vivons crise ça nous pas pas rien ou pas boire nous vraiment et non crise et polycrise nous je nous relais là humanitaire politique économique toute qualité toute crise yo m'a connait ensemble et nous non impasse côté que grand pile monde qui souffre là non ou faire face à situation ça faut aller à équation qui ramène à dénominateur commun qui ça qui dans ADN nous que personne pas dit ah ça pas pour vous, c'est pour moi lié. Li pas dans idéologie, li pas dans religion, li pas dans couleur, li pas dans classe sociale, li pas dans province capitale. C'est deux bagages nous gain. C'est langue créole là. Oui. C'est souple. C'est souple. Oui, ou pas inscrit en langue, ou pas inscrit souple. Oui. Donc pour moi même pas de rien qui te ka faire dévier que première inscription te doit premier repas, premier peuple libre noir. Le 1er janvier, si vous voulez me continuer comme pile le 1er. Et force était lié. Ouais. Parce que c'est un double message. C'est un message pour Haïtiens eux-mêmes. Pour que nous te fini année 2021, année, je n'ai pas comme besoin de tourner sous lui. C'était une année qui était particulièrement éprouvante dans l'histoire contemporaine Haïti, avec des bagages que nous parlons depuis siècles qui étaient faites. Et au niveau humanitaire, au niveau politique, année à nous te rappeler tête nous. Que nous ca ensemble faire face à plus grand défi que l'humanité te connaît qui était l'esclavagisme. Parce que yo dou le plus grand crime contre l'humanité c'est l'esclavage. L'esclavage. Sous là, c'est symbole que haïtien monter monde ça. Mais pas rien 2021 on va te monter. Ouais. Donc faut nous te boel 1er janvier 2022 avec renouveau ça. Parce que là nous monter dossier à nous dit sous là, c'est une réaffirmation dans l'idéal père avec mère fondatrice pays. Chaque fois où elle se dit, dit je crois en capacité peuple haïtien pour faire ça, son credo lié, son ode lié à la liberté, mais à capacité nous comme peuple. Wow. Donc nous rentrons pour peuple haïtien, pour dire Haïti, mais ça nous est capable, mais nous rentrons pour autres tout. Parce que l'heure où on est, tant qu'on est 2021, qui vient au bout de plusieurs années de crise, que nous avons dit qui commençait avec pays loc en 2018, tout le monde là, interprète à travers un regard. Tout le monde l'a réduit à un certain tagline, à une certaine définition que vous voulez mettre sous, un certain label que vous voulez mettre sous. Donc nous rentrons fort avec une autre interprétation. Une interprétation optimiste, une interprétation puissante, mais une interprétation universelle. Ça nous vient apprendre dans ce plateau, autant libre pour nous, autant message ça car elle dans toute langue, dans toute société, dans tout trou, dans toute grande ville. Histoire souple à raconter, c'est une histoire chaque être humain qu'à comprendre. C'est histoire pour dire, on pas voulu subir oppression, on pas voulu un monde déterminé à venir pas, on pas voulu pour me rester dans des conditions qui pas respectaient dignité. Souple, c'est histoire ça à raconter. C'est histoire communauté tout pour tourner avec au cap. Là nous connais souple pas bon pour quand tout. Oui. Pourquoi j'aime pas le mot lever. Pour dire, il faut une soupe pour moi. Et puis, je suis à la carrière devant la télévision, je bois soupe. Soupe là, c'est une histoire de communauté. C'est une communauté pour les gens qui n'ont pas fait soupe. Les vieux et handicapés, prisonniers, sont symboles de réconciliation.
l'on pas bien on nous porter soupe la police et dit bon mando pardon ou boire ensemble ça veut dire accepter pardon. Donc l'on rentre dans communauté, partage, réconciliation, c'est universel aussi. Donc toute dimension ça yo pour moi c'était une évidence. Même j'aurais soleil la clairer sur la première de tête moi te gen rayon soleil ça qui dit ou pral arriver et c'est ça pour faire. C'était première action. D'accord avoir c'est l'équipe puissant mais on pensait que c'était un genre pour nous te l'ouvrir une porte. Une porte qui pas de fermer mais qui pas de jamais utiliser. Et là nous l'ouvrir avec soupe là ou vinn ouais une cascade l'autre action qui vinn déjà en branle que ça qui déjà établi m'a pense à Catherine Flon. Catherine Flon pas loin et débat soupe là non plus mais dans cascade l'autre action qui enclenché que nous pral ouais au petit petit gagne fois moun yo pas fin comprendre yo parce que c'est des actions qui plus pour public international là qui pas ka gagne résonance en Haïti mais c'est pas grave parce que dans l'histoire n'a pas compris ni hôpital. Des années après fondation UNESCO, ils viennent rajouter communication et information. Qui ont essayé de faire un jeu de mots, ils ont pas ajouté. Ni au Québécois. Ni au Québécois. Et c'est dommage parce que ils valaient dans culture là et un peu le monde pas comprendre volet communication et information. Pourtant en Haïti c'est un volet qui plus à l'œuvre. Ma pensée par exemple au fait que pendant toute Covid et UNESCO a continué de travailler seulement sous point formation journaliste. Formation pour policiers pour respecter droit journaliste pendant manifestation. Il y a une action que moi m'étais lancé dans chantier ça m'était ouais que j'étais continuer avec atelier yo d'ailleurs il y a un professeur Ewald Toussaint qui travaille et dans atelier ça yo c'est un domaine fort pour question droit moun pour question démocratie mais je t'a fait en français. Il y a une action que moi m'étais lancé auprès UNESCO c'est pour me dire à qui est-ce à parler. Parce que si nous voulons inclusif nous voulons que toute la presse qui participe dans le débat, que toute la police qui participe dans le débat, on ne dit pas faire en français, mais nous ne pouvons pas faire en français seulement. Et si nous pouvons faire en langue seulement, ça créole pour le faire. Donc, ce sont des gens pour montrer la représentation Haïti au sein de ce siège-là. Ce n'est pas Haïti qui m'a dit. Voilà. Ce n'est pas Haïti qui m'a dit pour la formation ça au fait. Ça fait partie de mandat à UNESCO à travers le monde, côté identifié que bon faille. Mais c'est Wall Haïti pour le dire comment voulait. Que ça a déployé. Et je pense que la question de Amounio, je ne pas oublier que c'est de Liliane qui a parlé, parce que sous Liliane, c'est créole tout. Et il respect pour Douamoun qui doit être fait à travers le respect de la linguistique, peuple haïtien. Et pour l'instant, si vous seul langue qui unit tout le monde dans le pays, c'est le créole. Là. Donc si vous avez action qui pour faire, il faut choisir les deux, c'est toujours un créole pour faire dans le domaine et formation, éducation, et communication. Liliane que nous perdu là, c'est. C'était deuxième nom que nous t'ai soumettre pour prix et Guillermo Cano. Ou qu'a songé que nous t'ai soumettre non et Robertson Alphonse dans nos gouvernement haïtien pour prix Guillermo Cano. Et Guillermo Cano c'est un prix pour reconnaître sacrifice que personnel la presse, la média fait pour yo ka fait la vérité vinn joine communauté yo. Et nous connaît prix que Robertson Alphonse payait et heureusement il en vie mais il était attaqué et il était attaqué dans capacité comme journaliste. Et nous a dit que Liliane pas mouri de on attaque mais c'est un monde qui dédié toute ville dans lutte ça. Donc comme les papes là avec nous année prochaine pour soumission, il y a l'autre vitrine que nous pour explorer pour que nous ca mettre en lumière contribution surtout comme femme dans domaine ça. C'est pour dire Karel que tout ça qui a passé dans la société haïtienne, nan, nous jouons nos gens pour une tangente qui lie nous à mandat UNESCO. Parce que mandat UNESCO, c'est un peu son labyrinthe lié. Lié moyen toute force vive société. Donc c'est rôle nous comme haïtiens pour nous essayer de mettre en lumière ça qui est bon pour que nous tirer toutes ressources qui possible dans UNESCO. Pas ressources, je ne parle pas de l'argent. À ce jour, UNESCO est une organisation qui parle comme. Même si ça a changé parce que Américain fait tourner et Haïti joue un grand rôle dans retour ça qui pas sans haut et bas. Donc avec retour américain ou ka ouais que budget vient renforcer bon c'est presque certain et surtout il y a des actions qui intéressent américain qui ka joine plus financement. Mais moi-même dans 3 ans fait son organisation vraiment c'est pas si c'est pour comme c'est pas là pour aller. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas explorer toute vitrine. Et c'est ça que nous avons fait. Nous explorons la vitrine culturelle, j'aime dire, à travers le patrimoine culturel immatériel. Nous parlons de soupe, nous faut parler de cassave, nous parler de fer découpé. Et par exemple, nous avons vu que les communautés noires ont bénéficié d'une aide d'urgence de UNESCO et après attaque que subi dans les gangs, compas direct.
que nous travaillons très agressivement sous lui et que nous espérons qu'il prendra la prochaine soumission et l'année prochaine ou sinon l'année d'après, mm-hmm. parce que ce sont des dossiers qui demandent une pile préparation. Mm-hmm. Et surtout après jour mon côté nous avons 5 sur 5 dans critères techniques là nous pas le bouton dossier qui faut faire pour nous respecter figure nous on dossier 5 sur 5 encore et nous confiant que avec et démarche qui déjà lancé nous arriver en 5 sur 5 pour pas ça c'est culturel là et qu'il y a ou des vitrines qui plus au niveau de conversation avec et patrimoine humain patrimoine humain, je pense à Catherine Flon. Je pense à Suzanne Comer-Sylvain. Je pense à toute l'autre personnalité que nous avons inscrit dans le calendrier UNESCO que reconnaître la contribution de l'avancement humanitaire. Et ça, c'est important tout, parce que nous avons une histoire pour nous raconter. Un ténor firmé, Jean Price Mars, femme con garçon, Sanit Belair. Nous pas qu'à quitter l'autre monde à raconter histoire pas nous parce que les raconter le bon nous il va raconter le chantable et tout il va raconter le net il fait avec perspective par exemple donc c'est nous mêmes qui pour assurer nous que l'autre monde rentre sur Google Haïti c'est pas ça nous qu'on y a qui pour monter et UNESCO qu'a permettre ça parce que UNESCO une grosse machine communicationnelle l'eau explorer vitrine ça yo ou permettre contrecarrer un petit cal discours yo mais ce n'est pas que du discours. Ouais. Ça, c'est peut-être l'ambral fonti parenthèse. Action UNESCO n'a pas de réduit à hit, buzz, nous fait ça. Faut yon pérenne. Qui ça m'entend pas pérenne? Faut que on moun kap mache, kap ven pistache dans la ricarinage de yon. Même s'il pas kon za UNESCO yon. Même s'il pas kon kes mouye ki sa nap fè. Faut sa map fè gon résonance avec. Ouais. Ça veut dire, si m'dil Catherine Flon, faut au moins li ka senti un sentiment de fierté d'appartenance avec Catherine Flon. Si me dit soub joumou, faut le ka comprendre. Si me parler de la presse, de langue créole, de toute grande tangente n'a évalué, nous pas qu'en décalage avec qui ça peuple haïtien yé et comment pour nous représenter dans arène ça yo. Ouais. Donc moi-même son sorte de boussole que me toujours kembe dans tête moi. Là n'a plan son initiative, nous pas gain budget pour nous lancer toute, nous pas gain budget pour nous lancer gros, mais là n'a lancé est-ce que il gain maximum résonance avec tout le monde quelle que soit identité personnelle yo dans pays a. Et c'est ça nous essayer faire, tout explorer toute vitrine yo. Dans domaine éducation, pour nous arriver sur eux. Éducation parce que dans tout discours que j'aime faire yo et yon nan l'autre accomplissement c'est que m'étais gain un siège en conseil exécutif UNESCO. Qui sont grands accomplissements parce que l'on pas dans le conseil exécutif là bon là on a quoi on a table décision et Haïti t'est calé en élection compétitive côté que bah là t'es très marré mais nous gagnons en novembre 2021 et là nous on voit au chapitre c'est pour ça nous vinn ouais discours que m'a fait c'est à partir de conseil exécutif là tout discours yo à date toujours axé sur éducation parce que nous non pays côté que c'est dernier rempart là. C'est dernier bagaille pour nous préserver, pour nous sûr que demain nous ca bâtir une société qui ca respecter tout le monde. Et nous avons le ministère de l'éducation qui travaille jour et nuit et moi te fonti qui t'a parlé avec le ministre Maniga et qui fait face à des défis énormes mais qui répond tout avec en motivation et en volonté de faire. Nous avons même combat pour respect droit linguistique et étudiants, élèves haïtiens. Et UNESCO, à travers la décision, ses partenaires qui permettent la traduction curriculum en créole. Okay. Donc, c'est pour montrer que il y a une action plus profonde qui fait tout, il n'y a pas fait pour buzz, il n'y a pas fait pour hit, mais qui peut transformer demain le pays. Ouais. Parce que quand nous avons un lancement nouveau, Livinic, UNESCO est un partenaire à travers BIE. Non élaboration ouvrage ça qui pour moi sont vraie révolution positive côté que tout le monde pas accès à apprentissage dans le moment yo et toute matière jusqu'à de première année jusqu'à terminale on connaît ministre l'a présenté dossier très bien pas besoin complémenter mais c'est pour me dire que gain action ça dans le domaine éducation gain accompagnement pour rebâtir l'école qui détruit par gang et après séisme et dans le sud là nous te gain accompagnement d'urgence tout à petite échelle à petite échelle mais gain des réponses parce que justement douleur nous vienne pas invisible encore on voit qu'a dit bon problème là faut gon réaction vous comprenez donc ça c'est pour éducation dans la science heureusement pas grand pile lettre parce que dans la science nous agit en pile tout parce que
va tourner sur Suzanne Commer-Sylvain. Nous pas seulement dit Haïti besoin de développer dans le domaine scientifique, nous recevoir par exemple 3 imprimantes 3D, ça pas en pile, mais qu'un pays qui recevoir zéro. Et nous recevoir des robots pour un programme scientifique côté que ces jeunes filles qui apprennent comment pour bâtir robot. Ça leur réfléchit même si sont seul monde qui apprend la fond changement, gros impact. Mais Suzanne Commer-Sylvain, premier scientifique, linguiste, anthropologue haïtienne, nous inscrit. Nous est-ce qu'on reconnaît à Pauli. Là, on fait ça, où est-ce qu'il y a notre débat scientifique? Ou dit que depuis l'époque, ça, depuis l'année 50, c'est une femme haïtienne qui a parlé en Afrique, c'est une femme haïtienne qui a traversé le monde pour que lui-même lui ait apport dans le débat scientifique. Si nous continuons à faire ça, nous changer équilibre. Nous pas tout le temps demander, mais nous nous dit mais ça nous capote, mais ça nous tépote, mais ça nous voulait poter. Et c'est toujours dans la balance ça. Ça veut dire que nous demandons aide d'urgence pour ça, mais nous dit mais ça, Haïti te fait tel côté, mais ça nous a fait. Un bon petit exemple. Haïti bénéficie d'aide d'urgence pour nous. Mais même le recevoir aide d'urgence là, nous font une contribution volontaire, symbolique, pour une convention qui te permet de nous joindre et aide d'urgence là. Et qui ça fait? Les mêmes contributions, on va dire modique, vraiment, on va même dire chiffre là. Mais, ça comique là, l'on va le rapport, l'on va le sortir, on va le dans Haïti contribuable. Parce que si on a bénéficié, c'est un coup police d'assurance. Dans tout pays du monde, si on est malade ou on a assurance qui couvre, c'est parce que tu payes assurance là. Sinon, c'est charité. Donc, on va prendre seulement voilà. Pour nous sinon, pas bailler. C'est charité. Oui. Mais si on a contribué dans la convention, et normal, la convention, voilà. Aidez-moi. Donc, moi-même, je m'assure depuis 3 ans, nous contribuons dans toute la convention. Même si je dis, mais nous ne voyons pas. Je dis, merci. Merci. <pour contribution." rire> Et l'homme ne recevait pas honte. Oui. Parce que je m'ai contribué. C'est pour son police d'assurance. Donc, c'est tout petit bail ça on a fait qui vraiment vient articuler en présence, en rayonnement, pays. Et surtout, en curiosité positive. Ça veut dire qu'on a voulu comprendre en profondeur. Moi, je m'étais toujours dit, si vous voulez parler d'Haïti, ne vous parlez pas, pas poser une question. Parce que situation pays complexe, histoire nous complexe, futur nous complexe. Si vous voulez pour nous avec un tagline, pas de temps pour ça. Donc, qu'on a nous voulu curiosité. Il faut chita pour comprendre, pour parler avec toute passion et engouement que moi, mon gain. Mais en tourne sur ce soupe-là, li fait tout notre temps au record. Parce que, regardez qu'on y a parlé de l'autre bagaille qu'on a envie de faire, et j'en dis que l'important pour vraiment chita dossier, c'est dans moins qu'une année. Tout à même. Fait. Oui. Et racontez-nous et processus ça et comment vous même pression en te mette, puisque j'en te viens dit, ou entrer dans le début d'année, année 2021 était difficile, mais c'est juste avant fin d'année, en décembre, que li officiel, alors que il y a des dossiers qui peut-être prennent plus de temps que fait. Ça. Tout à fait. Pour clarifier, on ne doit pas monter par un grain de monde. Je prends toute reconnaissance pour le leadership là avec pour le fait que chaque fois que je dis que ce n'est pas possible, moi je dis que c'est possible. Ça, je comprends. Mais derrière le dossier, il y a plus d'une centaine de monde qui mettaient ensemble parce que j'étais quoi là-dedans. Ça, c'est pour voir sur le plateau. Sur l'autre dossier, il y a des gens qui disent non, ce n'est pas comme ça, non, ce n'est pas saleté, non. Ou pas gagner plus conversation et ça fait partie de dossier candidature yoto. Faut respecter point de vue communauté porteur savoir-faire là. Sous plate fédérateur même nan jan nou te vle parler de li. On moun ka di ça pas fédérateur m'a font petit parenthèse encore c'est recette là. Recette là oui. Et nous pas nan causer recette nan inscription, nous nan causer discours symbole. On moun ka di non de pou mette macaroni là dans li pas soupe. Mais ça. Ou met viande là dans li pas soupe. Gen moun ki rele m ki recette ki inscrit dans UNESCO. Nous pas dans livre Michelin, nous pas dans livre recette, nous dans livre on symbole, on tradition, on sorte de rituel de consommation et de préparation. OK donc prépara élaboration et consommation traditionnelle de soupe là. Donc sous principe ça c'est une unanimité qui permet que un pile monde vienne converger pour permettre élaboration dossier. Temps record pour deux raisons que le pas possible pour l'autre dossier. Convention prévoit que depuis un bon dossier, c'est premier dossier ou prioritaire dans le traitement. Okay. Et c'est un premier dossier. Oui. Maintenant, moyennant que dossier paraît, oui. Moi, je ne vais pas jouer un dossier paraît. Je ne vais pas jouer rien. Oui, oui, mais, il y a une convergence de faits. Par exemple, l'homme nommé en novembre, sous la même inscrit comme patrimoine national. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Et l'homme nommé en novembre, en décembre, il n'est pas inscrit.
Ils ont arrêté le ministère de culture qui va sortir avec soupe et avec quatre autres pratiques, dont cassave, clairin, et puis ils ont l'autre bagaille que m'oublier, mais bref. Ça, c'est un élément qui était fondamental qui permet moins d'avancer. Oui, voilà. Inventaire, tu as un inventaire qui était fait parce qu'il faut avoir deux inventaires qui sont faits. Enfin, il faut avoir un inventaire qui est fait et puis il faut avoir ça aurait été mise à jour inventaire là qui fait des années plus tard. Heureusement tu as un inventaire qui était fait si je me rappelle bien en 2014 avec et appui Université Laval et nous venons faire mise à jour inventaire là. En un temps record avec et étudiants et Yerayo que nous t'ai déployé et qui t'ai font travail exceptionnel. Nous-mêmes dans délégation permanente là nous prenons des initiatives, c'est un chantier colossal côté que nous vraiment t'ai mettre toutes ressources humaines temps, tout bagaille pour que le dossier a qu'à compiler nos gens qui sont cohérents et qui répondent à tous les critères. Nous jouons des vidéographes qui font des bagailles exceptionnels dans le temps record. Nous jouons d'ailleurs réalisateur Dudley Alexis qui a travaillé sur l'autre grand documentaire ici qu'on a sur l'autre dossier. Mais lui-même, il a fait un documentaire sur Soupla qui baille nous. Il a tellement de support. Qui fait nous cadeau un documentaire que je ne sais pas. Pas que personne n'a acheté. Et puis elle dit, c'est sous son travail, il bail nous li. Donc, qualité exceptionnelle qui vient renforcer et dossier. Kounia, une fois que nous avons 10 éléments, yo, qui c'est donc inventaire, photo, vidéo, soutien communautaire. Ça veut dire qu'il faut montrer que l'on soumet le dossier, la communauté, dans toute conjugaison, dans toute déclinaison, derrière lui. Association, femmes et Atibonite, association artisan, association si association. Profil moun nou jwenn karel, gen des moun ki ekri lèt la à la main en créole. Qui allé à Dodane, Jean Bella Rivière, dans cyber café pour scanner, voyer pour nous. C'est toi pour moi-même qui pa gen prix. Nous traduire, nous fait en sorte de correspondance pour nous dire mais à la main qui communauté qui identifier moun yo avec numéro de téléphone yo pour dire mais qui est-ce qui d'elle nous tellement te gen soutien avec vraiment légitimité donc ça c'est yon nan élément yo et puis qu'on vient gen fiche candidature dans lui-même fiche ça c'est là que m'ka dit que peut-être gen plus flou en pile moun pense faut gen doctorat pour remplir fiche là ou bien faut ceci pour non faut ka convaincre pour remplir fiche là. Et heureusement, nous avons fait pile réunion en tête à tête avec le secrétaire de convention, qui c'est en quelque sorte une mastermind convention, parce qu'il fait partie de monde qui a rédigé statut convention. Et il a une affection particulière pour Haïti. Donc, depuis que je demandé le rendez-vous, il était toujours bon et conseil. Et il a dit, Dominique, c'est pas une question de ça va en bagaille, ça va en bagaille. C'est comment on peut convaincre moi que ils vont en bagaille. Donc, là, il a fait ce jour son histoire à raconter, son argumentaire devant juge pour dire mais ça va aller, vous comprenez? C'est pas les bon en bouche, c'est pas bon en bouche. Pour là. Voilà. Et nous bâtissons un argumentaire que nous pensons que tout pays est fier de lui. La preuve, nous venons 5 sur 5 dans l'évaluation critère et technique. Comment vous besoin pour passer? Alors, pour passer, il faut gagner 3. 3 sur 5. OK. Mais si vous gagnez 2 sur 5, comité en cas et technicien a mandé tourner l'année prochaine. Oui. OK? Al renforcer dossier. Al renforcer dossier. Donc al mettre devant au propre. Nous-mêmes nous fait 5 sur 5. Dès tout à l'heure grand pile premier, c'est premier fois en pays soumettre un premier dossier qui fait 5 sur 5. En pile premier. Donc c'est première fois tout. Parce que dit comment nous faire vite que un pays soumettre un dossier avec une demande de traitement en accéléré. En plus du fait que le premier dossier que nous prioritaire. Ça te mettait nous à un an et demi de cycle. Wow. Moi, je m'en pour le faire en un an. Oui. Pour qui ça? Le nous déposer dossier en décembre, en mars, le 25 mars 2021, faut le évaluer pour décembre 2022. Ça, c'est cycle normal, prioritaire là. Parce qu'il y a des pays qui tiennent jusqu'à 7 ans. Oui. OK? Nous venons gagner en juillet, assassinat président Jovenel Moïse. En août, tremblement de terre. En août, tempête grasse. Et en août encore, ou bien en septembre, pas les faire erreur, explosion au Cap-là, que un peu de monde pas parlé de lui, 90 personnes mourir. Oui. Dans UNESCO, un an plus tard, ou un an avant, pas les faire erreur, peut-être nous avons corrigé ça, un an avant, tu as une explosion dans Beyrouth. Tu as songé l'explosion de Beyrouth.
toute UNESCO était mobilisée pour explosion ça. Tout moyen mis à disposition du Liban. Nous avons explosion dans ville pour Natalo. Et puis parce que le vini après trois catastrophes, il passait comme d'adou. So what? Bah ça était souqué mon pile. À la fin de ça, de toute saga ça, m'écrit UNESCO, m'écrit convention. Me dit nous avons dossier. Dossier a été dépassé en décembre prochain. Mais bilan année. Mais qui traumatisme. Mais les dit, oh papa, c'est résilient nous là toujours. C'est un mot qui est très difficile pour moi. Parce que résilience là invisibilise le traumatisme. Sure. Mais qui traumatisme nous vivons. Nous cassons monter. Mais clause convention qui dit que convention là, pour l'aider peuple à faire face à des crises. Pour yon souvenir de identité commune yo. Nous disons, mais qu'on y a demandé que nous mettions en application clause ça. Son clause qui était adoptée en septembre 2020. Wow, l'année d'avant. L'année d'avant. Mm-hmm. C'était, yon te vin amende convention pour yon inclure, pour dire que tout côté convention qui a aidé un peuple relevé d'une tragédie humanitaire, humaine, un cataclysme, faut nous activer un processus accéléré. Nous disons, demandé application provision ça. Côté légal là, parce que c'est la première fois que tu parles de mettre en application, une grande étude légale qui fait, faisabilité, etc. Yo dit OK. On y a, ça c'est la convention, ça c'est côté technique. Nous venons passer devant côté politique là, devant comité en 2021. Décembre 2021, comité a rencontré malheureusement à cause de COVID virtuellement, et nous venons des pays qui fait opposition à principe accéléré. Mais on pas fait par rapport à profil souple là. Ça te gagne unanimité sous lui. Yo fait parce que Haïti sous-estime le fait que grand pile moun nan registre là qui fait des inscriptions politiques qui attaquaient l'autre peuple. Nous même l'homme était souple là, on pas attaquer personne. Oui. Mais un cas grand inscription que me fait qui sont défis, on attaque, on insulte pour l'autre peuple. Oui, je comprends. Donc grand pile pays qui te vienne peur que le processus accéléré a pas permettre certains pays que je vais les citer pour rentrer dans les débats et géopolitiques utiliser canal express ça à des fins politiques. Politique, OK. Donc il était dit son précédent dangereux, sauf que précédent est vraiment cruel. Oui, adopté en septembre. Faut qu'on vous quitte pour faire la première fois. Et c'est ça me dit. Il dit nous adopte ton bagage qu'on y a que nous va l'appliquer nous saute peu. Nous pas adopter même là en septembre 2020. Donc on a été les premiers à solliciter la mise en application, la mise en œuvre de la provision, quoi c'est provision 21, et pas prendre sous ça, mais oublier qu'on y a, qui t'est adopté seulement un an avant. En plus, le monde t'a dit, pourquoi ça va la faire débat comme ça, l'autre bas, il va passer dans 15 minutes, etc. Dis, c'est le prix à payer leur premier. Parce qu'au fait, il n'y a pas de compte comment vous utilisez provision. C'est ton bail théorique, et il n'y a pas de compte comment, est-ce que tu dois avoir un vote, est-ce que tu n'y a pas de compte. Et donc, finalement, nous passons sans vote. Nous passons à l'unanimité, mais après un long débat. Ouais. Et parce que Haïti n'a pas de compte comment pour l'interpréter débat. Débat n'a pas de rapport avec Soupla. Soupla, c'est 5 sur 5, c'est passé. Il a un rapport avec provision, pour processus accéléré. Pour que justement nous fassions dans le temps, exact. Pour que le 1er janvier 2022, nous levions voilà. À Soupla comme ça. Et c'était tout le principe. La preuve, qui deuxième pays qui suivant? Ukraine. Oui. Et Ukraine, est-ce qu'on soupe tout? Botch. Wow. Et après, moi, je tout me dire qu'on a fait problème. Histoire même, genre. Soupe la fait histoire même, genre, tout. Avec mais liberté, nous, etc. Soupe, Joumou, un processus accéléré. En B, invasion Ukraine en février, le 24 février 2022. Bah ouais, il n'y a pas fait ni un ni deux. Il dit, nous, on soupe tout, processus accéléré, il inscrit. C'est pour nous dire que nous l'ouvrons porte, même si nous soupe la tête, l'ouvrons porte liberté, nous l'ouvrons porte convention. Pour changer façon, justement, tout en. Institution fonctionner. Donc, wow. C'est pour me dire que c'est pour ça que c'est possible. Ou pas qu'à faire pour compas. Oui. Pas le dire que c'est pas qu'à faire pour compas. Compas, ou pas jouer un soutien fédérateur unanime autour de compas. Ou pas dire que l'évangile, il y a un compas, il y a ceci, il y a un compas. Ou bien que ça n'a pas compas vrai, ça a ceci. Ou pas le gagner débat. Et il faut quitter place au débat. Il faut quitter place au débat pour arriver à un document consensuel. Yeah. Parce que quand tu vas à le dire, n'importe qui moun qui légitime organisation ka opposé en inscription. Ça dit si vous pas font bon travail terrain pour que le bail la sorti li approuvé
que moun yo accepter que yo reconnaître tête yo n'importe quelle organisation qui a dit regardez moi UNESCO inscrit tel bagaille opposé ça ouais il cabina qui bon argumentaire que ou même qui t'es gagné là donc ou ka défait tout positif qu'on voulait faire pour image pays a qu'on est rentré dans litige côté que c'est UNESCO qui médiateur pour demander est-ce que ceci est-ce que cela moun nan ka dou inscription ça sont outils de discrimination vous comprenez. Donc, même si en Haïti, nous avons de grands avantages, parce que nous n'avons pas d'ethnie, nous n'avons pas de sexe, nous n'avons pas de qui divise nous vraiment, ça ne veut pas dire que tout le monde identifie dans toute bagaille. C'est vrai. Donc, là, on joue un minimum de divergence dans un dossier, il faut respecter, il faut aller doucement. Tout à fait. Qui théorise un document qui a suffisamment circulé, suffisamment consensuel, suffisamment de soutien, côté que l'on dépose, ou confiant, et communauté en reconnaître lui là-dedans. Donc, là, je pense que nous avons pile chantier. Regardez par exemple, là, nous lançons CASAP. CASAP va l'inscrire en décembre 2024, parce que c'est un an et demi. Oui. Et décembre 2024, moi, j'ai déjà dit qu'il va l'inscrire. Et vous dites que CASAP n'est pas pour compte nous, nous faisons avec l'autre monde. Première fois que Haïti fait partie d'un dossier multinational, régional. Et c'est pour ça que j'ai encore plus confiance dans le dossier ça, parce que par l'histoire convention, depuis, c'est plusieurs pays qui mettaient ensemble pour faire des choses, ils ont légitimité côté que le comité n'a pas campé en face, ils vous disent ça va. Vous comprenez? Et CASAP là, c'est très important tout, parce que l'offre inscrit sous plan, ou inscrit sous plan, dans l'essence unique, dans l'unicité parcours pays. Ok? Mais lorsqu'on inscrit CASAP là, on dit, 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 et puis c'est, mais ça m'était fait. Ma part tenu mes racines moi mes longues racines moi mes racines moi arrivé dans tout bassin caribéen mes mouvements peuple qui t'a fait côté me fait partie de eux et tout mes capacités nous-mêmes journée aujourd'hui mes capacités nous pour nous te préserver un savoir-faire malgré traumatisme qui était traumatisme conquête soi-disant ça aurait les découvertes et américains côté que européens arrivé yo nous vinn gè génocide première population île d'Haïti, à travers maladie, à travers travail forcé, à travers tout ça, nous connaissons le virus. Mais, dans un moment fragile, ça m'a dit déjà, là, m'a déposé le dossier, dans un moment fragile, côté que la population s'est décimée, a mouru, et dans le même moment, ça a fait la population africaine esclavisée, venue sur le territoire haïtien, qui n'est pas Haïti, qui était colonie Saint-Domingue à l'époque, bonne transmission qui fait. Et son transmission fragile, mais son transmission réussie. Et transmission ça montre aux capacités de survie de population ça yo c'est CASAP là qui témoin moment transmission ça et là regarde les gens esclaves yo vinn faire CASAP là yo fait exactement Jean et Taino yo t'a fait et qu'on y a malgré tout traumatisme tout siècle yo que esclaves yo pral faire en bas jour colonial là yo préserver ou transmettre alors que nous te connais que durée de vie esclave là c'est très courte li joine moyen li transmettre ni de génération en génération jusqu'à ce qu'elle vienne joindre nous. Et là, regardez, cahier voyage Christophe Colomb, qui a décrit comment CASAP l'a fait. Regardez, journée, jeudi, à soir, aller dans la zone nord, comment il a préparé CASAP l'a. C'est seule plaque métallique là, qui changeait. C'est ton plaque argile qu'on y a métallique. Mais savoir-faire l'arrêté intégral. Donc, son témoignage. La même chose, métal Guadeloupe, moi-même, bah, là. Malheureusement, Guadeloupe n'a pas rejoint nous parce que c'est la France. Et la France tellement gagne des dossiers en suspens que lui n'a pas de venir à bord. Parce que même mais il y a même pratique. Honduras et Venezuela, Cuba, République Dominicaine qui viennent joindre nous, il y a des déclinaisons différentes. Mais c'est la même histoire qu'il y a raconté. C'est une histoire de résilience dans le sens positif là, côté que ou ka kembe yon bagay ki associé à survie ou, et ou ka transmet li de génération en génération dans le respect de tradition. Kounia, ça qui est intéressant, c'est que l'histoire va raconter même gens. Parce que le patrimoine est toujours politique. Le, nous monte le dossier ça, chaque pays te vle raconter une histoire différente. De CASAP pa yo. Oui. Parce que CASAP l'a associé à des mythes fondateurs. Pour nous tous. Et par exemple, la main indigène de nourrit de CASAP, etc. Mais chaque grand pile partie dans genou percevoir CASAP là, qui est essentiel à genou, ouais, tête nous comme peuple. Et c'était très intéressant comme exercice pour tout pays ça aussi dans nos chambres, dans nos salles, pour nous discuter
Qui sa cassave là? Et surtout, sous son de tout ça pour soupe là. Mm-hmm. Convention, pas besoin de connaître comment cassave là préparer. Pas besoin de connaître si vous mettez sel, si vous mettez sucre. C'est le symbole. Histoire. Mm-hmm. Et histoire haïtienne, ça que je suis fier de lire, c'est que ça nous pas ouais dans l'autre dossier. Yo. C'est que tu as une invisibilisation à port peuple afro-descendant. Yo. Mm-hmm. Donc, tu as une sorte de court-circuit entre Amérindiens et contemporains. Et puis, on va chercher 200 ans d'histoire, on va joindre. Donc, moi-même, je suis dans la salle là et je connais que pendant au moins 3 jours, à des sessions de 12 heures par jour, nous sommes gourmés, nous sommes inscrits à port aux populations esclavisées, à faux descendants. Parce que sans eux, c'est un trait d'union. Nous ne pouvons pas raconter une histoire sans partir ça. Et l'étape, on affronte à. Ça nous est la véracité historique là qu'on y a. Qu'on y a comme on a effacé tout ton pan d'histoire parce que ce n'est pas l'histoire que vous voulez raconter jour et jour. Donc, nous avons rectifié ça pour ne pas invisibiliser à part tout le monde qui fait partie de Mayon Kassav là. Et l'histoire n'est pas une histoire différente. Il n'y a pas différent. Mais il y a des choix qui ont fait pour raconter une histoire. Donc, nous avons essayé de combler et c'est assez. Ça plus convaincant que possible. Voilà. Je suppose que c'est un job passionnant qu'on fait. Et racontez-nous une journée. Parce que, tant qu'on parle là, je me sens pile passion. Et travail tout justement dans des dossiers comme ça, je me sens que peut-être c'est un travail passionnant qu'on fait. C'est son expérience d'une vie, vraiment, c'est son opportunité qui vient avec un pile privilège et un pile responsabilité. Et moi-même, ça me toujours essayé de faire dans toute journée. Chaque jour, je me lever, c'est conjuguer un équilibre presque parfait entre et privilège et responsabilité. Ça veut dire que je ne j'aime pas une journée passée côté que je prends plus que ça me baille. Et presque un calcul mathématique, ça veut dire que je ne veux pas que je chita, je m'occupe d'un espace, je m'occupe d'un poste, je m'occupe d'un et puis je ne pas prendre. Ou bien que ça me baille là moins que ça me recevoir. Si pour mon déficit, déficit est devenu sous moi, il va devenir sous le pays que je peux représenter. Donc, c'est son sacerdoce, je me sens que j'ai dit ça, le travail dans ma vie d'avant et dans le secteur hôtelier. Un client qui est venu, il dit ah, moi là depuis le matin ou à l'homme le soir ou là encore le matin. Et le secteur, ça relève son sacerdoce. Et moi, ça a été avec parce que je pense que le sacerdoce, ça c'est pas le secteur là qui est bon, c'est les gens approchés, quel que soit le secteur là. Et j'en comprends une mission. Tout. Et ou même ou non sacerdoce, tout carrel. Ça veut dire que moi, je vais opérer, moi, je vais travailler, moi, dans ce vle pote par la communauté, hein, calcul là, je presque pense que c'est même calcul avec. Je ne pense pas aux gens le bonjour, côté au senti, bon, je vais où là, tu me soucie, tu me prends. Toujours gain plus pour faire. Toujours gain plus pour faire, toujours gain plus pour bail. Et donc, c'est son poste qui porte un peu l'humilité, parce que il inscrit dans des conversations qui sont beaucoup plus larges que. En parcours personnel ou en parcours national. Et par exemple, dans le cadre du conseil exécutif, là, c'est avec moi en pile, côté que justement, on va gérer des questions importantes, vitales pour 193 pays, pour 195 avec les États-Unis et puis Israël qui a tourné. Et au cœur de négociations et de vie ou de mort, il y a des questions de génocide qui a parlé, il y a des questions de, et, par exemple, sous droit femme qui parle de et l'école encore dans certains pays. Et sans citer d'exemple, nous avons pouvoir décisionnel sur des questions graves à travers le monde. Donc, l'immédiat en pile humilité, mais en pile détermination tout. Ça veut dire que pour conjuguer, pour faire partie de nos communautés de nations, ou pas plus important, ou son voix tant que toute, mais tout pouvoir va jamais minimiser par rapport à l'autre défi que l'autre a fait face. Parce que pas un problème qui est plus grave que l'autre, chaque monde a un droit au vote. Donc, moi-même toujours, je ne veux jamais prendre la parole pour me parler seulement d'Haïti, mais il faut toujours parler d'Haïti. Donc, c'est conjugaison ça. Et ça m'a demandé un pile heures de travail, avec des moyens très, très, très limités, mais qui reflétaient la situation paysologique. Nous ne pouvons pas nous appeler, estimer de moyens qui sont mis à disposition. Nous avons une situation particulière dans le pays. Nous avons, pour le moment, nous avons une situation d'austérité. Et c'est normal que nous-mêmes, dans la diplomatie, nous faisons face à l'austérité. Ça. Mais ça m'a demandé pour innovant, ça m'a demandé pour créatif, dans les gens qui ont continué à représenter le pays avec des moyens réduits et pour être fidèle tout à ce que le pays a besoin de lui-même à l'étranger. Tout à fait. On aime parler de pays, son pays qu'on va représenter. Comment nous-mêmes, ici, là, ou bien la diaspora, capables
supporter le travail ou du moins peut-être amplifier ça que vous faites? Oh, ça sont belles questions. Déjà, ma promesse est pas dit que pour mon au Cap, qui quand même nous connaît pays à très centralisé, je pas attendre moins à ce que je me sente au Cap, je vais à Paris pour me gagner niveau soutien ça. Je pense que je vois un accueil de population haïtienne, que ce soit ça qui vive en Haïti, diaspora, et au niveau politique, au niveau culturel, vraiment à toute échelle de reconnaissance et de soutien qui touche mon pile. Et mon bon collègue dans la délégation qui toujours aimait dit ça, il dit « Yo met dit ça au plus de pays en remet mon cap travail. » Et ça, c'est le plus bel encouragement que je peux joindre. Parce que je ne suis pas un monde qui a un parcours politique, je ne suis pas un monde qui a une aspiration politique. C'est vraiment pour moi-même une convergence de moments, lieux qui fait que je suis là et que je suis tout ça me et pendant là. Mais soutien, c'est encouragement. C'est bénévolat que je joigne. De là, je présente mon projet et je me dis ah, je suis ça, oui, bien tel, 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 bon, ou même tout, je dis parle avec un tel espèce de réseautage naturel ça qui bâtit autour de initiative que me lancer qui fait que initiative yo ka abouti ça a pas gain prix et li vraiment inspiré pour des modèles qui ka aller au-delà de ça m'a fait dans UNESCO parce que moi que gon soif pour résultat positif et gon solidarité sincère que nous pas cultivé suffisamment nous pas parfait non nous pas nous mais autour des grands chantiers Karel même parler grands chantiers gain privilège ça que me travaille tourner sous soupe là tourner sous Catherine Flon et langue créole même leur gain divergence me trouvais que disponibilité que des plus grands chercheurs professeurs l'école quel que soit moun que ou abordé, li di ah OK, y a pas de problème. M'a mette la main à la patte. M'a trouvé ça m'pa ka mande rien l'autre que ça m'a déjà joint non, sauf que l'ta ka continuer et que si m'ka mande un bagaille et m'commence joindre li. M'songe avant m'te rivé Haïti t'es pour mauvais pli. Et sa femme salue ministre culture et Emily Prophète parce que l'encourage et m'pile dans décision ça que m'étais essayé mettre en place. Haïti était pour mauvais pli. Le pour parler à UNESCO, faut parler à UNESCO Paris directement. Et ça pas fait. Lors d'une représentation en pays, pays doit parler à travers voix représentation. Si elle j'allais même ni parler à pays à travers programme. That's it. Mais il pas parler ou pas en quelque sorte ou pas ou après les blancs pour dire mais moi fait tel bagage. Faut gain respect pour couloir national là. Donc ça t'est vraiment pile temps même pas c'est presque arrivé côté que ouais que une convergence que mon respecter couloir là parce que là on a parlé d'une voix ça fait voir venir plus de valeur parce que au début même qu'on a privé ces sièges là qui a dit ah nous recevoir telle lettre d'Haïti qui a demandé tel soutien mais qui a appliqué pour tel bagage est-ce que au courant ça pas fait sens et il y a pas l'initiative la vienne pas abouti et nous vienne sortir l'aide. Donc là, je pense que le ministre est vraiment rentré bouche dans cause ça pour aider que nous respecter le ministère, nous respecter délégation permanente. C'est pas seulement pour UNESCO, pour tout côté. Là, nous voulons adresser nous à l'organisation ou bien à l'autre gouvernement, il faut le passer par voie pays. Qui pas parfait. Je ne suis pas là pour me faire avocat personne, mais c'est seulement pour ça que nous allons renforcer la légitimité présence nous au sein de l'organisation. Et que nous carrément Mounio qui l'a responsable. Tout à fait. Donc ça c'est peut-être soutien ça que Mounio songe que nous avons une représentation, que nous gagnons une commission nationale qui a opéré en Haïti, nous avons une délégation permanente, nous gagnons un ministère sectoriel, éducation, environnement et culture, communication. Adressez-nous à nous-mêmes, là nous voulons faire marier avec UNESCO. UNESCO même il est là pour livrer ça nous mandé. Tout à fait. Donc voilà. Voilà. On va finir la conversation pour parler de Cap Anticas. Et vous venez avec toute famille, et vous venez justement dans la période Notre-Dame. Nous avons une situation côté que, bien sûr, au Cap is popping, Jean Blanc est capable de dire là, mais vous-même, vous venez pour plus que ça. Oui. C'est retourner la caillou, retourner avec famille, etc. Comment et faites la passer pour jusqu'à présent et séjour en Haïti? Ça, depuis que je suis parti, je n'ai pas de chance pour vraiment en vacances.
Et justement, parce que tout bas, ça a été bouilli. Et Anessa m'a dit, tête-moi, petite-moi, il y a 5 ans, il commençait vraiment à comprendre. Je me suis retourné en Haïti tout le temps. Et je me suis prendre toutes les vacances, même passer le cap pour que le cas ait une famille et puis ait un pays et tout. Et donc, je ne voulais pas parler de moi, je ne voulais parler de lui parce que lui, non, l'âge côté que. Ou obligé d'interpréter pays à pour lui. Parce que pile question. Pile question et ça vient bon en l'autre lunette. Parce que des bagages que ou habitué ouais ou habitué comprendre ou habitué interpréter ou là quand tu me dis pose aux questions sont l'autre exercice. Et donc c'est vraiment un moment spécial pour me tourner là à l'âge que lié à pour m'expliquer le pays. Que vraiment pile que la mon ça nous pas arrêter etc pour m'expliquer le principe mission que nous va aller net nous va tourner etc au caprice popping j'en dis on obligé mettre guillemets hein m'pas faire des analyses politiques très content de voir énergie cap sorti dans ville là dans sens que parce qu'un pile monde soif ça n'a vivant une situation nous dit déjà qui très difficile que tu es en enfermement obligé, nous presque en sorte de confinement forcé et dans pile région dans pays a au cap ça c'est son exutoire, son échappatoire mais comme capoise grand pile inconfort par rapport au fait que nous pas de regarder on aspect seulement. Si ouais tu as même t'as parlé de équilibre bail prend si au cap ca servir ça au pays hein, et content que tout le monde cap vini cap vinn passer bon moment ça dans sécurité dans qui est content faut cap ca joindre en bas tout. Tout à fait. Pour moi même trouver li alarmant que nous dans deuxième ville pays hein, et que si petite moi malade à soya m'a kon côté m'a menel. Ouais. Pas dit pas gain l'hôpital mais c'est pas sans qu'elle sauter. Donc ça son inquiétude que balance pas fait. Balance pas pour qu'on fait. Bah c'est le ca fait, bah c'est m'espérer l'a fait mais ça, c'est une inquiétude inconforme au niveau hygiène ville. Je pense que il y a des efforts qui sont faits. Je connais que ce n'est pas manque de volonté. Je pense que il y a un problème moyen, un problème de coordination. Je suis conscient de ça. Je suis là pour me faire leçon. Même là pour me faire un constat que il y a des choses qui sont équilibrées. Nous voulons faire la fête, il faut faire la fête. Nous voulons être content, nous voulons être en sécurité. Mais je pense que faut bon, même équilibre. Énergie mettre dans fait là on mettre énergie dans créer infrastructure propreté santé et puis et route pour regarder situation route au capio nous très congestionné au niveau sécurité il pas parfait donc seulement que nous continuer investir dans ville là pour que le arrêter ça le cahier hein, et fait plus bon. Bien sûr pour le bon parce que pays a demandé ça au cap demandé ça et que il y a un modèle tout peut-être pour l'autre ville qui pensait que tout est perdu puis ouais que bon il y a des villes qui campent toujours et puis changer de discours. Tout à fait. Je suis très content de partager ce soupçon avec vous. Merci, Karen. Compliment et merci pour le plaidoyer que vous avez fait, façon que vous présentez nous. Dynamisme que vous mettez dans UNESCO pour Haïti. Et continuer ton voix puissant pour nous. Je vous dis, on a continué à amplifier ça que vous avez fait et supporter vous dans tout le monde. Merci, Karen. Et merci. Bon séjour et pour rester vacances. La caille, moi. Merci beaucoup, merci, Karen. Je suis content de parler à vous. Merci. Thank you.